Debussy, six épigraphes antiques pour invoquer Pan, dieu du vent de l'été, pour un tombeau sans nom, pour que la nuit soit propice, pour la danseuse au crotal, pour l'égyptienne, et enfin pour remercier la pluie au matin, était interprété par Frédéric Chiou et François Weigel en ce concert, en ce début de concert, donné le 8 novembre 1994 au musée d'Orsay. Nous continuons notre programme à travers notre programme et notre promenade à travers la musique française. Musique française orientée vers l'Égypte. En compagnie de Félicien David. Félicien David, un contemporain de Berlioz, très connu pour sa fresque orientalisante, d'ailleurs le désert, mais bien avant de composer cette fresque, David avait publié trois cahiers de mélodies orientales, trois cahiers pour piano, où il transposait ses souvenirs d'un long voyage au Proche-Orient qu'il avait effectué entre 1932 et 1935. Et bien de ce cahier, nous écoutons deux fantaisies arabes pour piano seul. La première, écrite au Caire en 1934, interprétée par Frédéric Chiou, et la seconde, écrite au Caire aussi en 1933, interprétée par François Weigel.
Félicien David de Fantaisie Orientale, extrait de ses cahiers de mélodies orientales, la première composée en 1834, interprétée par Frédéric Chiou, et la seconde composée un an avant, en 1833, interprétée par François Weigel. Ce concert se terminait par Camille Saint-Saëns, deux œuvres de Camille Saint-Saëns, la première pour piano seul. Il s'agit du Caprice arabe, opus 96 pour deux pianos, œuvre datant de 1884, toujours interprétée bien évidemment par Frédéric Chiou et François Weigel. Thank you.
Camille Saint-Saëns, Le Caprice arabe pour deux pianos, opus 96, interprété par Frédéric Chiou et François Weigel. Je rappelle que c'est un concert qui se tenait au musée d'Orsay, pour accompagner d'ailleurs toute une exposition donnée à cette époque-là, c'est-à-dire au mois de novembre 1994, toute une exposition de peintures de peintres français en rapport avec l'Égypte. Et ce concert, eh bien, se concluait avec une deuxième œuvre de Camille Saint-Saëns, toujours en rapport avec l'Égypte, puisqu'il s'agit du concerto pour piano et orchestre numéro 5, opus 103, en fa majeur exactement, dit égyptien. Thank you.
Camille Saint-Saëns, le concerto pour piano et orchestre numéro 5 en fin majeur, opus 103, dit égyptien. Concerto pour piano et orchestre, mais vous l'avez constaté de vous-même, c'était une transcription pour deux pianos, transcription due à Louis Diemer. Ce concerto était interprété par Frédéric Chiou et François Weigel, qui donc nous donnait ce concert enregistré le 8 novembre 1994 au musée d'Orsay. Concert qui comprenait des œuvres de Debussy, de Félicien David et de Camille Saint-Saëns. Nous devons la prise de son à Bernard Le Gall, Jean-François Nédélec, chargé de réalisation, Virginie Vincienne.